Et êtes-vous active sexuellement? Ouais, je fais des trucs sexuels, mais pas ça. Pas encore. Je vois. Alors, vous êtes sexuellement active. Super. Il est obsédé par toi depuis le premier jour où t'es venu habiter ici. Je m'appelle Adam. Enchanté, moi aussi, Adam. Il a l'air adorable. Bientôt, j'aurai la maison pour moi, tu pourrais... Tu veux dire dormir? T'as déjà eu des relations sexuelles, hein? Il faut pas en faire toute une histoire. C'est juste un pénis dans le vagin. Oh! T'as un moyen de contraception? Non. Faudra y voir. À quand remontent vos dernières règles? Je les ai pas encore. Je commence à me demander si tu ne voudrais pas voir un gynécologue. Je suis sûre que ça va. Maman? Lindy semble être atteinte d'un syndrome appelé MRKH. Ça veut dire quoi, ça? Lindy souffre d'une malformation congénitale qui explique qu'elle est née sans utérus, sans colutérin, ni canal vaginal. Mais le vagin est vraiment un muscle fascinant! Il va vraiment falloir que tu l'étires. Donc, je commencerai avec un de nos plus petits. On peut passer à la taille supérieure avec celui-ci. Il fait des merveilles. J'essaie de voir ça comme un camp d'entraînement pour vagin. Oh, mais qu'est-ce que ce serait pas des jouets anneaux? OMW, on my way to you. Good at what I do. OMW. Je m'appelle Jax, je suis une personne intersexe. Être pleinement soi-même, ça dépend que de nous. Alors, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. Oh, et moi aussi, je fais des rencontres bizarres. Il faut pas s'en faire. Tu sais, j'aimerais tellement que tu te sentes normale. Je suis pas du tout normale. Tu veux arrêter de tout vouloir réparer? Je suis tellement en colère de pas pouvoir avoir d'enfant. Et de ne jamais pouvoir me plaindre d'avoir mes règles. Avoir 16 ans, c'est un véritable enfer, n'est-ce pas? Écoute, je crois que je ferais mieux de te laisser avec tout ça.